RDC, les loups entre eux, le général Numbi contre Félix Tshisekedi. Après avoir reconnu que Joseph Kabila est un imposteur rwandais, dans un audio, donnant ainsi raison à M. Honoré Nguanda, le général Numbi revient dans une vidéo proposer le même Joseph Kabila comme solution. Le général Numbi, toute honte bue, annonce dans cette vidéo le chaos parce que Félix Tshisekedi ne respecterait pas leur accord. Avec le mandat de quel peuple, peut-on se demander, sont-ils allés se mettre d'accord entre malfrats pour disposer de la RDC à leur guise? On aura décidément tout vu. Les garçons de course du Rwanda montent tous au créneau. Après Corneille Nangaa venu au secours de leur maître rwandais, voici donc ce criminel et traître de Numbi, assassin de Floribert Chebeya et consorts, qui fait sa sortie médiatique. Lui et ses complices rwandais veulent faire croire aux Congolais et au monde que parmi les démons made in Rwanda, qu'ils sont tous, Félix Tshisekedi compris, lui, Numbi et on ne sait qui, seraient tout d'un coup devenus ces anges voulant sauver la République démocratique du Congo. Le dévouement de Numbi pour ses chefs rwandais, via Kingakati, dépasse décidément l'entendement. Ce n'est pas parce que les Congolais ne veulent pas de Félix Tshisekedi qu'il faut pour autant aller se jeter dans les bras des criminels comme Kabila ou Numbi, fruit des accords funestes de l'AFDL avec le Rwanda. Ceux-là même qui avaient fait croire un jour au monde qu'ils venaient, soi-disant, chasser Mobutu pour libérer le Zaïre. Des escrocs. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour parler de libération aux Congolais, retenez qu'il n'y a pas plus faux. Ils ne cherchent que l'occupation et le pillage de la République démocratique du Congo. Ils doivent tous partir, Félix Tshisekedi compris. Ingeta, Candido Keke, CNRC, Apareko RC, 3xW Résistance Congolaise.fr.